J'espère qu'on va pas trop entendre le bruit de la tondeuse. Nickel, on peut y aller, les gars. Je m'appelle Laura, j'ai 15 ans et bientôt 16. Je suis lycéenne et je passe en première STMG. J'habite à Bordeaux, du moins dans une ville près de Bordeaux. La tondeuse, là, c'est une blague. J'ai deux frères et une sœur qui sont plus grands que moi, donc je suis la plus petite, c'est super, on adore ça. Je suis une grande amoureuse des animaux. J'ai beaucoup trop d'animaux, enfin non pas mon goût, au goût des autres en tout cas. J'ai un chien, 5 chats, un lapin, des poules. Voilà. Voilà l'idée. J'ai 3 passions dans la petite vie de lycéenne. En premier, ça va être le maquillage. Ensuite, il y a la photographie. Et la musique, enfin plutôt le chant. Quand j'étais petite, je voulais être styliste. J'adorais ça, je dessinais des robes. Tout le temps. Et maintenant j'ai envie d'être photographe. C'est bien aussi. Plus tard j'aimerais beaucoup voyager dans le monde entier, faire le tour du monde si possible. Le seul pays que j'ai visité c'est l'Espagne. C'était l'été dernier et c'était trop une dinguerie. Franchement, premier pays où je vais, c'était trop bien. Si j'avais eu ma chaîne YouTube, franchement je vous aurais fait une vidéo. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 18 mois. La tondeuse! J'ai donc une maladie. C'est une dystrophie musculaire congénitale avec déficit en myosine. C'est une myopathie, quoi. C'est plus simple comme ça. J'ai beaucoup de défauts, apparemment. Je suis très jalouse. Je veux toujours avoir raison. Je suis du genre très naïve. Je suis chiante en fait, très clairement. Je suis relativement très chiante. Mais j'espère que j'ai des qualités quand même. Au moins une, ça serait bien. Un de mes surnoms, parce que j'en ai plusieurs, mais un de mes surnoms c'est Stitch. Vous me demandez pas pourquoi. Et cette information était totalement inutile, mais j'ai plus d'idée. Je déteste lire. J'essaye, hein, mais mon cerveau il veut pas. Ça sature. J'ai acheté des livres, j'ai un nouveau livre. Mais ça sature. Je déteste ça. J'ai fait un an de piano. J'ai arrêté, ça m'a saoulée. Et quelques années plus tard, j'ai acheté une guitare. J'ai jamais eu la foi de m'y mettre. J'ai une relation très fusionnelle avec ma cousine depuis qu'on est toute petite. C'est comme une sœur pour moi. Je suis petite, moi aussi, de taille. Je connais pas ma taille, mais je suis petite. Je le sais. Ma meilleure copine, elle s'appelle Noémie. Mais il y a aussi Marisa, il y a aussi Lou, il y a aussi Ophélie, il y a aussi Amel. C'est toutes mes meilleures copines en fait, je peux pas choisir. J'ai pas de meilleure copine, c'est toutes mes meilleures copines. J'ai eu une petite nièce qui a 9 mois, dans pas longtemps. Et du coup je suis tati, et du coup je suis contente, ça c'est bien aussi d'être tati. Je pourrais passer une journée entière, et je l'ai déjà fait, à regarder des séries Netflix sur mon téléphone, sur mon ordi. Je pourrais passer ma journée à faire ça, sans décoller les yeux une seule fois. J'ai commencé à me maquiller il y a 4 ans, à peu près, pour écrire tout et n'importe quoi. J'écris des histoires, des chansons, tout ce qui me passe par la tête, je l'écris tout le temps. J'aime beaucoup dessiner aussi. J'aime beaucoup dessiner, surtout étant petite. Mais là aussi, je continue à dessiner. Moins, mais j'adore ça. Je continue d'aimer ça. Si j'avais marché, j'aurais fait de la danse. Ou du foot. Ça va faire 5 mois que je suis sur YouTube et je suis trop contente de m'être lancée parce que c'est trop bien. Et mon anniversaire c'est le 29 septembre et c'est aussi mon nombre préféré. Ça c'est moi, Elfie, de la chaîne The Elfie. Bisous.